Ah, et j'ai envoyé les renforts en entrée, voilà, GG les gars. Point de perle, point de perle. Voilà, oh, full what the fuck. Mais what the fuck. Du coup, Matteo Co. Non. Il m'a MP quand vous êtes rentré. Oh putain. Mais Matteo Co, les gars, flashback pour se dépêcher. On se reprend pour une petite intro comme d'habitude. Malheureusement, il n'y en aura pas d'autres sur Nexion. J'ai tout expliqué ça dans mon dernier record, mais en gros, justement, comme vous savez, je lis pour aller sur Full Carrière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il est en haut à droite. Hein. Clin d'œil. Mais bref, voilà, hein, sans rancune pour. Oh, ça m'a fait le saut, ça. Bref, sans rancune pour Nexion, hein, j'ai bien apprécié sa première version que je jouais. Et puis voilà, je fais quand même pas mal de records. De toute façon, je sais que je vais faire beaucoup moins de vues sur ce record-là parce que justement, ça fait genre la plupart des gens livrent pour aller sur Full Carrière. Puis d'ailleurs, sur Full Carrière, est-ce que vous allez voir, en fait, pour les prochains records, c'est sûr que ça va être sur Full Carrière. Je vais sûrement uploader ça le 4 janvier parce que justement j'ai une vidéo prévue pour là. Et d'ailleurs, bonne année à tous. Mais bref, je vais faire un petit sondage aujourd'hui parce que je sais que vous aimez ça. En gros, je voulais savoir, est-ce que vous allez continuer à regarder mes records, sachant que je me barre justement sur Full Carrière parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont abonnées juste pour une action, etc. Mais voilà, je voulais savoir, petit sondage, si vous allez continuer de regarder Detective Machin, etc. ou si vous allez vous désub juste parce que je fais plus d'une action. Bref, pour finir cette petite intro-là et pour vous laisser avec une présentation comme d'habitude rémunérée et ensuite vous laisser avec le piège de Matteo, c'est pas compliqué, je vais faire les résultats du dernier concours. Donc le dernier concours, j'ai fait 12 lots dans mon dernier record, donc les 12 gagnants, c'est vous 12 en fait. Si vous voulez savoir ce que vous avez gagné, retournez voir mon dernier record, je montre les 12 lots dans l'ordre en fait. Du coup, si vous avez gagné quoi que ce soit, contactez-moi sur Discord, mon Discord est dans la description, et puis voilà, je vais me connecter une game et vous donner tout ce que vous avez gagné. Par contre, n'oubliez pas que je suis QC, du coup je suis pas tout le temps actif dans les heures des français. Bref, c'est à vous de voir. Du coup, pour mon dernier record sur Nexion, puisque j'ai plus aucun stuff parce que je vais tout vous faire gagner, je vais vous donner genre 300 000$, j'ai quand même beaucoup de money. Donc si vous voulez participer, comme d'habitude, faut liker, s'abonner et commenter votre petit pseudo. Bref, je vous laisse avec la présentation. C'est KitKat. Du coup, ciao les jeunes. Re les mecs, du coup on se retrouve sur World of Skill. Pour tous ceux qui se souviennent, j'avais déjà pub le serveur, en fait j'avais plus pub l'aspect Skyblock du serveur. Mais du coup ils m'ont recontacté pour repub le serveur PvP Faction Cheat qui vient tout juste de fermer et qui va rouvrir le 3 janvier à 17h FR. Du coup, comme j'ai dit, c'est un vanilla en PvP Faction Cheat, les cracks sont on, donc si vous êtes intéressé à venir, vous pouvez tout venir vous amuser. Justement, puisque c'est un vanilla, il n'y a pas 10 000 nouvelles choses, mais en gros, ils m'ont demandé de prendre certaines choses, comme premièrement les quêtes. En fait, c'est pas compliqué, comme la plupart des serveurs, il y a un système de quêtes. Et si on fait slash objectif, en gros, il y a 4 types différents, il y a assassin, casseur de bloc, placeur, etc. Et quand tu cliques sur un, il y a différents types d'objectifs. En fait, c'est le même objectif, mais pour différents types de blocs, comme par exemple planter 750 carats de sucre, miner 5000 obsidiennes, ou si on est dans assassin, il faut tuer un certain nombre de joueurs, dans assassin, il y a juste un nombre de joueurs. Et à chaque fois, tu obtiens une récompense en money, par exemple. De toute façon, la commande la plus simple, c'est faire un petit stash warp. En gros, il y a tous les warps, il y a un warp kite où je suis en ce moment. Warp mine, il y a une espèce de petite mine, PNJ, caisse, RTP, totem, casino et cotage. Chaque truc, c'est juste logique. Un casino, il y a un petit event en fait, je vais vous montrer celui-là. Celui-là, je trouve sympa, c'est pour ça que je vous le montre. En gros, c'est un système de casino, je pense qu'il faut avoir la main vide pour l'utiliser. Mais en gros, tu tapes là-dessus, ça dépend de 200$ et il faut que les blocs soient alignés. Et si c'est 3 blocs pareils, différents du minerai, ça donne plus d'argent, quoi. Ensuite, il y a un système de jobs, c'est pour qu'on vous fait slash job avec un S. Il y a énormément de commandes, je vais pas toutes vous les montrer une par une parce que ça va être trop long. Mais du coup, vous faites slash job et vous allez voir, vous allez lire comment faire pour join a job, etc. Tout est écrit. On a aussi accès au slash shop, ça c'est une petite commande en gros pour acheter un paquet de choses, tous les trucs, tout se vend et tout s'achète. Par exemple, on ouvre un shop, tout se vend, tout s'achète, c'est pas compliqué, vous savez c'est quoi un shop. Ensuite, par rapport à la monnaie, il y a deux petites commandes, vraiment le slash ça comme sur tous les serveurs des HDV, je vais pas vous présenter ça. Et ensuite, le slash boutique, ça en fait c'est pour permettre d'acheter un paquet de choses, comme par exemple la boutique des kits, la boutique des grades, etc. Tout est achetable in-game en fait, pas obligé de passer par la boutique. Ensuite, dans le commençage boutique, il y a aussi autre, ça c'est des items in-game. En gros, il y a différents types de trucs, par exemple des fours en fait, qui ont cuit des items dedans, ça vous donne de l'argent. Il y a un hooper qui récupère tous les items dans un chunk, après ça il y a des commandes qu'on peut acheter avec l'argent in-game, etc. Et même si c'est un vanilla, il y a même des nouveaux crafts en fait, des nouvelles crafts de casques surtout, des pioches, juste ici, d'outils, etc. Après, je vous laisse lire tout ça, mais vous voyez comment les crafter et chaque fonctionnalité. Comme par exemple, vous pouvez avoir un casque en fer renforcé, casque en météore, casque des enfers, etc. Ensuite, on embarque dans les events, comme un petit peu partout, il y a Warp Cottage et Warp Totem. En gros, c'est deux events qui arrivent assez régulièrement sur le serveur.
Si je monte le cottage vite fait, ben c'est comme partout, il faut contrôler une zone pendant un certain temps quand le cottage est actif. Ensuite, des events, il y en avait un tantôt sur un largage de coffres en Warzone, il y a plein de coffres qui spawnent. J'y suis allé, c'est pour ça que j'ai un petit peu de stuff, mais j'ai pas trouvé le seul mec qui est connecté à la bêta pour fight. Et du coup, ben justement, il y a juste des coffres qui spawnent en Warzone. Après ça, les week-ends, il y a des boosts d'argent ou des boosts d'expérience pour les slash jobs, en fait, des métiers. Et tu vois, il y a plusieurs events, en fait, sur le serveur pour que les joueurs restent actifs. Il y a aussi des giveaways chaque week-end, parce que justement, puisque c'est un serveur OP faction, ben, et les giveaways, c'est sûr qu'il y en a. Bref, la petite présentation, c'est déjà terminé, en fait. Encore une fois, c'est un serveur Vanilla, du coup, il n'y a pas 10 milliards de nouveautés. Mais bon, bref, toutes les informations, leur site, leur Discord, etc., tout ça, c'est dans la description. Du coup, si vous êtes intéressé pour aller voir ça, ben, justement, allez dans la desk. Et puis, bref, moi, je vous laisse avec la vidéo normale. C'était Kitkat. Je vous reprends dans quelques secondes. Ciao, ciao, les jeunes. Yo les mecs, on se retrouve dans une petite base. Déjà là, il y a pas mal. Je suis pas allé voir tout le long de la base, mais je vois des coffres. Les gars, il y a des coffres sur le toit en fait. Bref, on regarde ça après. Comme vous voyez, on a trouvé une grosse base. Un membre de faction a trouvé une grosse base. On est énormément sur Discord. Du coup, ça va être un petit peu de la voix tout à l'heure. Mais là, je leur ai dit de fermer leur petite bouche. Si on fait show, Geek of War, c'est la faction de Matteo qui est helper sur le serveur. Du coup, ça va sûrement être je paye un staff de serveur ou une connerie du genre. Et puis voilà, attends, on va vous montrer vite fait les coffres d'en bas. Puis là, c'est plusieurs étages de Bosch, on s'en fout, on va pas faire péter ça au creep. On usebug la base comme des BG. Je vais pas vous montrer comment on usebug la base, parce que, merci, j'étais en train de faire mon intro, fait que ta gueule. Je vais pas vous montrer comment je usebug la base, parce qu'on a une petite technique cachée sur le serveur, et la base est full en synopsie. Mais bon, regardez le nombre de DCK, j'imagine que c'est des DC de stockage. Mais Mathéo, je sais qu'il pépé beaucoup, donc il est pas un riche, je sais pas s'il a beaucoup d'argent. Mais juste ici, il y a masse DC de potions. Bon, on s'en balèque souvent, surtout des potions. Mais juste en haut, il y a plusieurs DC de P4, du coup j'imagine qu'on commence au DC de P4 les gars. Oui, non, ouais, le type. C'est bon, on peut. Mais le seul problème les gars, c'est qu'il y a les pancartes, fait qu'en posant le creep, ça va faire péter les pancartes. Exact, ouais. Donc au pire, pose le creep, ouais, mais laisse-le le passer après en fonction. Pose juste le creep, voilà, laisse faire maintenant. Mais il faut le faire sauter. Laisse faire. Ouais, ouais, t'inquiète. Je fais sauter ou pas? Bah, touchez pas, ouais, vas-y. Ah, okay, il est rentré, voilà, GG les gars. Faut une perle. Oui, voilà. Par contre, gueulez pas s'il vous plaît. Gueulez pas, merci. Il faut des perles pour aller sur le Bougez, décalez, personne a des perles, décalez s'il vous plaît. Vous jetez tout et vous récupérez. Reculez tous, on s'en fout si vous récupérez pas, on va voir. Voilà, de toute façon, Matteo Eco. Non. Il m'a MP comment vous a rentré. Oh putain. Mais Matteo Eco, les gars, slashback, faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Il y a du tout. Attends. Déplacez. Hop. On déplace tout. Slashback. Vu qu'il y avait du stuff GM en plus là. Il m'a piqué quand t'es rentré, mais sa fag est pas cool. Sa fag sera pas là pour l'aider à défendre. Du coup, on est 8 puis il va pas venir, je pense. Poussez, bougez. Voilà, GG. Oh, full tête. Enfin, pas faire péter comme ça, mec. Ça va pas beaucoup péter. Non. Décalez, s'il vous plaît. Mais il y a une botte. S'il vous plaît. Oh oui, d'accord, mec. Ok, je drop tout, Allez, voilà, what the fuck. Mais what the fuck. Attendez-moi les gars, j'étais pas là. Trop tard. Full stack de... J'ai 3 lignes de buisson dans mon inventaire. Poubelle, la merde, j'ai un fond d'inventaire de merde, moi, là. Quoi? Hop. Petit stuff recherche, fait que je te voyais pas. Ah, oh, retourne non, flèche. Sage poubelle, oubliez pas, hein, sage poubelle. Ouais, là, alors de flèche. Du P4. GG. Bon, du P2. Du sable, ça rien. Hop, sans garde, des stacks de livres. Back. Poubelle. Ah, j'ai appliqué. T'es Ben moins, mais je vais cobayer genre. Non, bah vas-y. Moi je l'allume, go. Let's go. Ouais. Ok. What the fuck? Y'a que ça en retenue flèche. Mais putain, on a pillé plusieurs décès de flèche, c'est rentable. Gros les gars, ça dépend, c'est bon, on doit partager. Ouais, mais partage, putain, les retenues de flèches, surtout les retenues de flèches, on donne surtout à ceux qui ont fait péter. J'ai pas vu où... Ok, ouais, t'avais pété là. Ah. Ouais, non, voilà, vous voyez, c'est full, c'est que de la rotaine, ça sert à rien de faire péter là. Attends, bah, slashback. Non, mais je suis en train de vous expliquer que c'est pas rentable pour le coup. On fera ça à la fin. Ouais, on va péter à la fin. Ouais, j'avoue, on fera ça à la fin. C'est bon, t'es prêt? Faut laisser une seconde pour pas qu'il retombe. Ok, j'allume, go. Ah, putain, j'ai pas réussi. Bon, bah, du coup, ça va être pété. Ok, bon. J'ai deux flippers encore. J'ai rien. Ah, ouais, tu les as achetés à combien? J'en ai entendu de speed, j'ai coupé le son. What? Ah, oh, mais on peut passer. Vous l'avez encore posé dans le coffre? Ah, ah. Oh, oh déjà, il est. Ah. Ah, bah, okay. Bah, il y a encore masse truc qui te casse. Ouais, on peut pas passer nous. On peut pas mais passer même le tour, s'ils font un bloc, puis j'ai pas de bloc. Moi, je prends juste. J'ai encore un creeper, on va t'en racheter. J'ai acheté PA, Frozor. Frozor TP, alors. Ouais. Ok, hop. Mais, t'es pour. C'est bon.
Bah du coup c'était... Je sais pas vous avez quoi. Il reste encore les vivants de force les gars. J'ai eu un knife de regen, fait que j'ai drop les regen. Bon. Ok. Que des bush, full bush. J'ai eu full inventaire de bush et tout. Non, sérieusement. Bah du coup c'est rentable. Bah on a rien eu. Pas au pire. Oh bah les gars pour le booster ça va. Bah justement c'est comme les rotten flesh. Ça dépend. Ça dépend c'est où c'est full, mais si c'est tout full, oui. Décalé. Très dû poser plus loin mais bon. Allez. Bah y'avait rien. Ah j'ai eu trois lignes de lignes de mur. J'ai eu un buisson. Vous avez vu est-ce que qui a eu trois lignes rack? Ouais j'ai le coffret. Ah voilà, full rotten. Bah c'est rentable ouais. Hein. C'est rentable les gars. Ouais bon non. 2 DC de rotten égale un creep, fait que. Vas-y je vole. Ouais mais ouais bon là j'ai. Il bah ici moi j'ai en fait mais moi j'ai répète encore une fois mais j'ai des creeps. Fait que c'est mon prochain je fais péter moi. Je sens ça va aller dans l'eau. Ah j'ai eu oh, ah, j'ai eu du P2, j'ai eu pas grand chose, mais s'il faut le mur, ça c'était rentable. Flashback. Non, mais vous avez fait péter où? Venez aux potions, venez aux potions, on fout le biberon et tout, j'ai réussi à le faire péter entièrement. On veut. Allez, celui qui a tiré. Bon, bah, stack de. Slash poubelle. Genre, les heals, ramenez-les au pire, mais les regen, ça sert à rien, personne va prendre ça. Oh non. Je déplace, attendez. Chien. Après, j'allume. Ah voilà. Flashback. Wow. Wow. Là, on a rempli genre 4 inventaires, donc c'est sûr qu'on est rentable. Ouais. Hop, j'allume. Mais toi, c'est à côté dans le coin. Ah, c'était. Bah, vous avez eu quoi? C'était pas si rentable. Moi, j'ai eu. Poubelle. Full livre. Oh, si full livre solide. J'ai eu fossile et tout. Oh, une épicarde. Full d'orge et tout. Pioche full d'orge. Mais ça, pas de sèche poubelle, va de merde. Hein. Moi, j'ai beaucoup de merde. Bah, moi, j'ai une épicarde qui part. Je la pose là, tu allumes et puis voilà. Prêt. Moi je me mets bien. Voilà. Vas-y. Bah j'ai eu un full. Après j'ai un full aim de bot XP du coup. Oh là là. Ah j'ai eu. Ouais, j'ai aussi.